Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Là, on m'a demandé. Oh! Elle m'est blessée. On me demande comment on chauffe attiké pour ceux qui ne sont pas ivoiriens là, quoi. Et Rai, comment je chauffe mon attiké? C'est sec, c'est sec. Bon, cette vidéo-là, c'est pour vous. Voici attiké là, quand tu enlèves de ton congélateur là, et puis c'est bien dégivré comme ça là, c'est toujours sec. Tu vas retirer ton sachet là. Tu vas casser, casser comme ça. Tu vas bien rendre ça mougou, mougou. J'entends parler du lait, mougou mougou. Voilà, pour avoir bien écrasé. Je vais réserver de côté. Il s'est pas bien écrasé, d'un. Mon chien va se débrouiller là-bas. Là, j'ai de l'eau. On va couvrir. Et on va porter tout ça à ébullition. Là, voici. Ça boue bien. Hein? Ça boue comme ça, pito, pito, pito. Et quand c'est de l'eau, là, ça boue comme ça, bouya, bouya, bouya. Je vais... hier, les gens dingues sur cette page-là. On va renverser notre attiqué là-dedans. Tout va passer à travers maille, là. C'est balèze, balèze, maille, quoi. Les chevaux, là, c'est pas grosse, grosse maille, hein. Prenez ce qui est fin, fin, là. Tout comme fait, vous n'allez pas perdre attiqué là. Quand ça chauffe comme ça, ça se colle. Donc voici, ça s'est bien réchauffé. Hein. Là, je pense que c'est bon. Là, c'est pas trop longtemps, sinon ça va devenir baka en bas là. Ça va devenir la bouillie. Vous voyez, non? Là, je vais bien c'est quoi? Étaler ça. Ça n'a qu'à refroidir, ça puisse refroidir parce que l'attiqué chaud là donne palpitation. Moi, ça me donne palpitation. Donc, voici le résultat au d'attiqué là qui a été bien chauffé. Vous n'avez qu'à braiser votre poisson ou bien frire votre poisson. Pourquoi je vais finir recette et puis là, on fait un petit gaba poisson thon épice poisson que je vais mélanger avec la farine. Je vais fariner mon poisson, je vais faire chauffer l'huile. Un peu d'oignon, on va commencer par frire les poissons. Quand les poissons sont bien dorés, on va les retourner. On va servir un peu d'attiqué, de l'huile. Poisson les cuits, je les retire. Oignon, tomate, piment. On va mélanger, rajouter un peu de mayo et puis. Bon appétit, je vous voici, mon petit gaba. C'est fini, non? Bah, on est encore dépassé les 3 minutes là. Donc, au petit verset biblique sur vous maintenant. Bon appétit. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement. Et tout le reste, c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement, la grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal, pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,